Salut tout le monde, c'est l'Argo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Greenberry, donc l'épisode... Oh! Il a réussi à se taper tout seul, l'épisode 5. Putain, je croyais que j'allais devoir aller le chercher au début. Mais il a réussi à se taper tout seul. Oh putain, c'est nickel. Bon bah du coup, on a comment je l'avais appelé? Wolfie, je crois, ouais. Donc, il y a Wolfie qui a réussi à revenir, donc voilà. Donc moi, là, je vais faire un petit accéléré ou ellipse, tout simplement. Je vais prendre encore des ressources, donc là... J'ai normalement assez de pierres. Après, j'en suis pas sûr à 100%. Donc là, si je regarde mon livre, je pense que la pierre, oui, j'en ai quand même assez avec ce nombre de stacks. Ensuite, il y a les planches. Il y en a vraiment besoin de pas mal, le bois et tout. Donc je vais encore farmer du bois, je pense. Et du sable aussi. Donc c'est parti. Donc, allez, on y go. Et voilà, donc là, hop, 1, 2, 3 stacks en plus. Tac. Ensuite, bah, il faut aller chercher du sable. Donc le sable, hop, je m'appelle. Et est-ce que j'ai un home près de... Ouais, bah non, j'ai de l'eau ici. Bon, on va aller vider à peu près tout le sable de cette eau, quoi. Quoique, en fait, non, peut-être pas. Il n'en faut peut-être pas autant. Donc je regarde dans le livre et apparemment, les fenêtres, il y en a quand même pas mal. Ouais, il y en a pas mal. Genre, il y en a 6 de chaque côté, non? 6, 12, je dirais peut-être un peu plus. Donc, ça fait beaucoup. Donc, ouais, bah, je vais essayer de vider ici. Du coup, ou sinon, j'ai le Home Paradise. Hop, si j'ai pas une mer à côté. Parce que ça pourrait être plus cool. On a un truc peut-être plus grand ici, tu vois. Ouais, on va. Je vais le faire ici, genre ça, par exemple. Il va y en avoir pas mal là. Et ah oui, mais on avait un village donc on s'en foutait du zombie villageois. Ok, c'est nickel. Donc, bah c'est parti. Du coup, j'ai fini de prendre tout le sable. Ah putain, il y a une araignée qui m'attaque. Et là, j'ai 3 stacks de sable donc je vais aller les transformer en vide, donc les chauffer dans un fourneau. Et peut-être que je vais rajouter une commande slash furnace parce que sinon ça sera beaucoup trop long. Dès que j'aurai beaucoup trop de ressources à cuire, je devrais attendre. Pour faire les vidéos, par exemple, je devrais attendre que tout cuise et puis ça sera vraiment hyper long. One eternity later. Voilà, du coup, j'ai assez de glace sur moi, de verre sur moi. Hop, hop, hop. Ensuite, je regarde bah, comment on fait du coup exactement. Bon, bah, je vais essayer leur truc. Donc, je vais au Home Paradise. Home Paradise. Voilà. Donc là. J'ai donc des trucs de 3, donc merde. Bon, on va faire slashback, comme ça on va reprendre. Voilà, tout le contenu du coffre, logiquement. Tac. Et là, voilà, ça sera mieux. Et peut-être aussi, ouais, un établi avec. Voilà. Et du coup, on se prend le coffre. Donc, slash home paradise. On retourne ici, voilà. Donc là, hop, le coffre, on met quasiment tout dedans. Voilà, on enlève ça juste. Tac, 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 tac. Hop, voilà. Là, on a. Hop, on a notre cobblestone. Donc je vais poser juste le guide à côté de moi. Donc on a du 3. Donc je vais faire un truc de 3. 1, 2, 3. Donc 8 blocs ensuite. Bon là vous voyez pas le guide. Donc ça va être compliqué pour vous de comprendre. Mais du coup voilà. Donc là. Ok. C'est un peu galère quand même de laisser ouvrir le guide mais bon. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis genre au milieu quand même. C'est pas le meilleur endroit. Donc je vais décaler. Je vais. Hop. Ouais. Il va me gêner quand même un petit peu donc je le mets assis voilà donc là hop ici on a 1 2 3 4 5 6 7 8 ensuite on en a 3 par là donc ouais non on va agrandir 1 2 3 tac. Comme ça, là, on va redescendre un peu. Ouais, en vrai, c'est bien comme ça. Là, c'est assez au milieu. Voilà. 1, 2. Donc, ça fait 3. 1, 2.
Voilà, c'est nickel pour là. Ensuite, je pense que ça doit être du 8, ouais. Donc c'est du 8 vers la gauche et vers la droite. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, je croyais que c'était qu'on allait toucher. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est peut-être plus petit en vrai, mais du coup, voilà. Je vais tester comme ça, il n'y a pas marqué de dimension sur le guide. Hop, donc là, je fais un truc à nouveau qui cette fois sera pas de 8, mais sans doute de 16. Sans doute de 16. En vrai, c'est un peu embêtant qu'il n'y ait pas genre les proportions. Mais voilà, bon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et on fait pareil de l'autre côté, 14, 15, 16, peut-être aller jusqu'à 20, 17, 18, 19, 20. On décale comme ça de 8. Oh nickel, il s'est levé. 1, 2, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là c'est pareil. Enfin, il me semble que c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ok. Je sais même pas si c'est pareil en vrai. Oui, ça doit être pareil. Vas-y, attaque-le. Merci. Hop. Ouais, par contre, ouais, il te régène. Plein combat. Non, ouais, c'est bon, t'es régène. Putain, il y a vraiment beaucoup de mobs, c'est chiant. Bon, bah, je vais essayer d'aller dormir. D'aller me coucher. Slash home. Home. Merde. Slash home. Home. Voilà. On va dans le lit. Nickel. Hop. Donc là, la vidéo, comme je sais pas si je l'ai dit, mais il me semble du coup elle sera un peu courte. Parce que j'avais prévu un peu plus condensé, plus de montage, mais il se trouve que je dois avoir moins de temps de record et moins de temps de montage. Donc là, on descend de. Non, jusqu'ici. Casse-toi la poule. Merci. Hop. 1, 2. Ouais, donc ça fait 3. 1, 2, 1, 2, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ok, ensuite on monte de 3 de hauteur. Ah, et d'ailleurs, en même temps, pour vous en parler, si vous voulez avoir un tuto pour Vaniax, vu que du coup j'ai pas tellement d'idées à faire de tuto comme ça. Et bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou même sur le serveur Discord. Et c'est pareil pour Greenberry, des choses que vous voulez que je fasse par exemple, qui seraient drôles à faire ou des trucs comme ça que vous pensez drôles à faire ou bien à faire en mode survie, quoi. Parce que j'ai pas non plus beaucoup d'idées là-dessus. Et voilà. je crois que je l'avais déjà dit sur Greenberry que j'avais pas beaucoup d'idées dans l'épisode juste avant. Mais du coup voilà, j'avais pas trop d'idées amusantes parce que bah pour moi en survie j'arrive pas à voir qu'est-ce que je peux faire autre que des trucs de build et tout. Et du coup ça aurait fait un truc où on répète à chaque fois la même chose à tout le temps build. Sachant qu'en plus la série j'apprends à build où j'essaye ça. Sachant que les pixel art là, comme certains ont pu le faire remarquer, les pixel art en gros je les fais le dernier. Le dernier pixel art, c'était parce que le build, j'ai mis trop de temps à choisir dessus. Je voulais faire un terrain de basket. Et j'ai vu les trucs de panier de basket, des trucs simples. Je me suis dit, je voulais faire un beau truc, quand même. Et bah en fait, ça allait être un truc beaucoup trop compliqué à faire, surtout pour mon niveau en plus. Donc voilà. Hop. Bah là, ouais, on a bientôt fini le tour. Et je sais même pas si c'est les bonnes proportions, du coup, mais je pense que ça devrait aller. Et aussi du coup, n'hésitez pas à donner vos retours sur le dernier épisode de Rogue Legacy, qui est un jeu auquel j'ai quasiment jamais joué. Et que... Ah, j'ai failli tomber. Et que bah, j'ai voulu commencer il n'y a pas longtemps en fait.
Donc, alors, ensuite. Ensuite, on fait. On a le 3, c'est. On met. 3 de hauteur, je crois, de planche de bois. Ok. Donc, si c'est 3 de hauteur, ça fait du. Bah, 4 stacks, c'est ok, il me semble. Enfin, je pense. Voilà, donc j'ai fini cette partie. Donc, hop, on prend quelques dégâts, on descend. Ah oui, c'est pas TP à moi d'ailleurs, le chien, mais du coup, c'est pas grave. Donc, ah si, voilà. Donc là, ensuite, on a. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Déjà, bah, il y a les portes à l'entrée. Donc, l'entrée, on la fait où? Perso, moi, je la mettrais là-bas. Genre là. De ce côté-là, l'entrée. Ouais, je la mets par là. Donc là, hop, tac, voilà. Comme ça, on a assez. Ensuite, on a du coup du verre à mettre aussi. Donc là, si je fais des portes. Voilà, donc là, on fait des portes. Je sais pas combien il en faut. Là, il en faut deux. Donc j'en fais deux. Voilà. Je sais pas si c'est. Non, c'est pas suffisant. Ah, bah si, ouais, ça en fait trois à la fois. Donc là, ok, et là. Ah, mais oui, du coup, là, je sais quelle dimension c'est exactement grâce au truc des portes. Donc, en gros, c'est donc deux portes. Donc, il y a un. Plus. Bon, je les mets devant. Une, deux. Plus. Deux blancs. Plus. Une, deux. Oh, nickel, c'est bon. J'ai bien calculé. Et du coup, là, il faut une porte de plus. Hop, donc voilà, une porte de plus. Et du coup là j'ai bien calculé parce que ça fait au moins le bon truc ici. Les bonnes dimensions là. Voilà, donc là je casse mes portes. Je les mets dans le mur. Voilà. Tac. Une, deux. Ensuite c'est. Voilà, 3, 4. Donc ici et ici. Voilà. Tac. Ok. Et du coup aussi pour j'apprends à build, si vous voulez, vous pouvez essayer de m'imposer des constructions que je pourrais faire de la vie réelle, tout simplement. Mais pas des trucs trop compliqués vu que je suis vraiment un gros débutant. Donc ensuite, voilà, on a les planches de bois en haut. Et en fait, il fallait pas monter le bois trop haut. Ah si, 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 ok. Parce qu'après on va découper, ok. Donc là, il faut. Bon, on a les torches aussi. Donc les torches, j'en ai que deux sur moi. Donc là, ça en fait une, deux, trois, et puis une autre. Voilà. Ensuite, c'est du. Tout simplement, on monte en haut. Voilà, on va monter genre par là. Hop. Et là, on a un truc à faire en premier. Donc en premier, les deux piliers du centre. Donc c'est celui-là et celui-là. Il faut mettre du bois à la place, pas des planches. Et c'est du bois sur 4 hauteurs en fait. Pas 3, donc je me suis trompé sur la hauteur déjà. Donc du bois sur 4 hauteurs. Hein. Voilà, comme ça. 4. Voilà, 4 de haut. Ensuite, bah du coup, on a le pilier ici aussi, où c'est 4 de haut. Voilà. Donc voilà, on descend à partir d'ici. Hop, 1, 2, 3, 4. On a logiquement aussi celui-là. C'est 4 pareil. Donc j'essaie de faire tous les coins, genre. Comme ça sera assez, ça sera fait direct en fait. Ensuite, je fais le vert, donc je pense que je vais le faire en accéléré. Pas d'accéléré en fait, je laguais un peu trop, désolé. Bon. Bah là, écoutez, j'ai quasiment tout fait pour la. Bon, là, c'est la troisième étape. Sur combien? Sur 8. Voilà, sur 8. Tout simplement 8 étapes. Donc bah, je vais essayer. Déjà, bah, j'arrive pas forcément à faire à trouver les côtés, comment c'est exactement. Donc je le ferai bien en essayant de déduire bah, pendant ces quelques jours avant le prochain épisode. Je pense en plus que là, ça doit être à. On doit être à quelques minutes déjà de fin d'épisode, donc ça devrait être bon. Donc là, voilà. Normalement, je crois qu'en vrai, les trucs là, c'est pas exactement bon du coup.
C'est là doit y avoir deux verres, il me semble. Mais j'ai pas vérifié entièrement, donc je verrai. Et du coup, voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc je vais peut-être redescendre. Voilà, on n'est pas. On n'a pas pris trop de dégâts, ça va. Donc voilà, le début. Je vais peut-être enlever le pilier aussi. Ça fait un peu moche. Voilà. Hop, plus de pilier. C'est mieux. Voilà, c'est meilleur. D'ailleurs, là, je vais essayer de voir s'il n'y a pas pour le chien, pour Wolfie, s'il n'y a pas une étiquette pour lui mettre. Je sais pas si j'ai une enclume en vrai, mais je crois que j'ai des étiquettes. Donc, j'ai envie de voir si j'en ai réellement ou pas. J'ai un panneau étiquette là-dedans, je ne vois pas. Ensuite, ici, est-ce que y a étiquette non plus? Ouais, il n'y a pas. Et ici, il n'y a pas non plus d'étiquette, il me semble. Ouais. Là-dedans non plus. D'ailleurs, j'ai laissé aucune potion, ouais. Là-dedans non plus. Enfin, ouais, j'ai pas fait gaffe. Ouais, il n'y a pas d'étiquette. Ok, c'est triste. Par contre, j'ai des chevaux que je peux aller prendre là-bas au Home Paradise. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, je le ferai au prochain épisode. Donc, là, en même temps, j'ai rajouté une salle des fourneaux avec. Pour que ça puisse faire plus rapidement cuire, tout simplement. J'ai pas automatisé. Et puis là, j'ai rajouté un coffre pour le coffre à bordel à nouveau. Parce que bah, j'avais trop de bordel par rapport au nombre de coffres. Genre là, lui, il est rempli quasiment. Enfin, pas entièrement, mais quasiment. Lui, bon, lui non plus, mais voilà. Et lui, par contre, lui, il est rempli. Voilà, donc c'est pour ça. J'ai rajouté un nouveau coffre et j'ai trié mon inventaire. Là, je vais devoir juste redéposer les items dans le Home Paradise où il y a la maison. Dans le coffre, en fait. Parce que là, c'est pas bien mis du coup. Donc voilà. Ah tiens, il y a un lama là-bas. Je savais même pas. Bon. Bah écoutez. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, qui m'a d'ailleurs pris plus de temps que les autres à tourner. À monter aussi du coup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et d'ailleurs aussi par rapport aux miniatures, les miniatures en fait, j'arrive pour le moment pas à les faire le jour même comme enfin le jour d'avant comme le montage et tout. Du coup, je suis obligé d'essayer de le faire le jour même. Bon, des fois, bah en fait, j'oublie vu que je dois passer faire d'autres choses ou sinon j'oublie tout simplement parce que je dois record une autre vidéo. Et que du coup j'ai pas le temps de temps en temps. Voilà. Donc je vais essayer et j'essaye d'ailleurs de faire en sorte que le montage et tout finisse le soir même. Enfin le soir avant la vidéo, avant la publication. Comme ça j'ai le temps en fait de faire la miniature en plus. Donc en gros il faut que j'essaye de faire la miniature en plus le soir même tout simplement. Voilà. Parce que sinon j'ai pas de miniature. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo à tous vos amis, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à venir sur le Discord si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, donc à demain. C'était Darkbo. Tchuss!